Le rapport tel que lu, présenté par les honorables commissaires et débattu. Collègue Exantus, s'il vous plaît, prenez place. Prenez place, prenez place. OK. Donc, tel que débattu à l'Assemblée par nos honorables députés, est mis au vote. Les députés qui sont pour le rapport sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Les députés qui sont pour le rapport sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Ceux qui sont pour. Les députés qui sont pour le rapport, s'il vous plaît. Collègue Bertol, asseyez-vous. Collègue Bertol, s'il vous plaît. Collègue Claude Leslie-Pierre, collègue Hippolyte. Les députés qui sont pour le rapport sont priés de lever la main. Collègue Printemps, s'il vous plaît. Collègue Printemps. Merci ceux qui sont pour le rapport. Merci ceux qui sont contre. Un instant. Le premier secrétaire a demandé de reprendre le vote. Baissez vos mains, s'il vous plaît. Collègue Benoît, collègue Romel, baissez vos mains. Le bureau, à travers son premier secrétaire, a demandé à tout le monde de s'asseoir afin qu'on puisse faire le vote. Donc si tout le monde marche dans la salle, nous n'allons pas pouvoir compter ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Donc si vous êtes debout, ça peut arriver que vous soyez pour. Donc asseyez-vous. Collègue Delacousse, votre place s'il vous plaît. Alfredo, s'il vous plaît, votre place. Merci. Collègue Gladys, votre place. Collègue Alsace, s'il vous plaît. Breton. Collègue Bélisère. Votre place. Merci. Collègue Tardieu, s'il vous plaît. Collègue Bélisère. Collègue Jovenel, lui. Collègue Aubin. Collègue Printemps, merci. Donc, les députés qui sont pour le rapport sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Ceux qui sont pour. Collègue Hippolyte, vous êtes pour? Collègue Hippolyte, vous êtes pour? Ceux qui sont debout vont être comptés dans le vote. Ceux qui sont debout vont être comptés dans le vote. Non, mais il faut vous asseoir. Merci. Non, mais Chita, Omer Chita. Ah, mais asseyez-vous. Merci, collègue Hippolyte. Merci. Ceux qui sont contre. Collègue Printemps, vous avez déjà voté, asseyez-vous. Collègue Exantus, vous avez déjà voté, asseyez-vous. Ceux qui sont debout vont être considérés comme des députés qui ont voté contre. Merci. Merci. Merci de baisser vos mains. Ceux qui s'abstiennent. Ceux qui s'abstiennent. Collègue, merci. Premier secrétaire, décompte. Deuxième secrétaire, décompte, s'il vous plaît. Eh bien, Fel. Collègue Baudelaire, s'il vous plaît. Collègue Gerda, ne vous laissez pas intimider. Je sais que vous êtes une femme de courage. 26 pour, 43 contre, 6 abstentions. Merci. La majorité a dicté sa loi. Le rapport est rejeté.
Prochain point à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Premier secrétaire, merci de donner lecture du prochain point à l'ordre du jour. Point 4, présentation, discussion et vote du rapport de la Commission justice, droits humains et sécurité publique sur l'examen de la proposition de loi portant garantie de la propriété foncière. Merci. Collègue Forestal, on va prendre la parole à nouveau. Merci. Nous demandons au président de la commission justice de faire une intervention. Donc, la commission a une intervention à faire sur le point... C'est quel point déjà, oui, monsieur? Sur le point 4. Merci. Président, membre du bureau, collègue de l'Assemblée, comme je viens de le dire... Tout au début de l'ouverture de cette séance plénière, le rapport de la Commission Justice, Droits humains et Sécurité publique quant en fait de préparation n'est pas finalisé parce que nous avons des réserves sur certains articles faisant partie du corpus de cette proposition de loi, et ces réserves ont été confiées à des consultants en attendant les recommandations des consultants. Donc je vous demande merci. De passer à d'autres points. Merci, honorable président. Merci. Sur ce, nous allons demander à l'honorable président, à l'honorable premier secrétaire de donner lecture du prochain point à l'ordre du jour. Et nous demandons au président de la commission finance de rester dans la salle. C'est le prochain point le concerne. Merci. Point 5, présentation, discussion et vote du rapport de la commission économie, finance et budget relatif au projet de loi sur la dette publique. Merci. Nous invitons la commission finance à prendre place, s'il vous plaît, et nous demandons aux honorables députés Chancy, Claude Leslie-Pierre et Guerchon de la Cousse et de regagner leur place, s'il vous plaît. Merci. Nous demandons aux membres de la commission finance, collègue Romel, collègue Ganzi, collègue Yvon Geste. En attendant, nous demandons au secrétariat général de distribuer le rapport de la commission finance. Merci. Donc, nous demandons aux honorables députés de prendre place, s'il vous plaît. Donc, sur ce, nous demandons au secrétaire rapporteur de la commission économie et finances, nous l'invitons à gravir la tribune afin de présenter son rapport. D'ici là, nous demandons également aux honorables députés de regagner leur place. Honorable député Jules Miss, honorable député de la Cousse, Francisque.
Merci. Nous demandons au secrétaire général Guy Gérard Georges de venir auprès du bureau pour consultation.